Que vous aimiez ou pas Camelot, vous adorerez The Green Knight de David Lowery, disponible ce lundi sur Amazon Prime. Le réalisateur de A Ghost Story et Les Amants du Texas entraîne Dave Patel, découvert avec Slumdog Millionaire, dans Rien à voir avec la vision érudite et farfelue des Alexandre Astier. David Lowery ose faire une œuvre belle, mais aride, un voyage dans un moyen âge hostile entre gestes chevaleresques et contes philosophiques. Gauvin, neveu du roi Arthur, un an pour prouver sa valeur au chevalier vert qu'il a décapité, et qu'elle a deux filles en repartant avec sa tête sous le bras. Sa quête magique entraîne Lurieros, en même temps que le spectateur, dans un monde peuplé de voleurs, de gens, des animaux parlants, de spectres cherchant le repos et de toutes sortes de creatures étonnantes. Alicia Vikander et Joel Edgerton se sont joints à la distribution de ce film qui ose laisser le temps au temps pour mieux envoûter son public. J'ai voulu retrouver le rythme du poème original Gauvin et le Chevalier Vert, explique David Lowery au site IndieWire. Un texte qui donne à la nature la possibilité de reprendre aux hommes ce qu'elle leur a donné. Son Pierre Ross va rencontrer elle humanite sous toutes ses formes, bienveillante ou abjecte, dans elle espoir de créer sa propre légende. Pour y parvenir, il lui faudra choisir entre bravoure et lâchette, faire face à ses démons ou les fuir. David Lowery ne craint pas de transformer son histoire en réflexion philosophique, même si cela peut dérouter ou perdre certains spectateurs. Au milieu de productions tapageuses, The Green Knight parvient à rendre elle épique, intime et réciproquement en prenant la forme des œuvres oniriques. La beauté de l'image signée Bruce Palermo, à qui on doit déjà la photo de A Ghost Story, et un travail exceptionnel sur la bande-son, ont une vertu immersive pour qui accepte de se laisser remporter. Il est regrettable que le film ne sorte pas sur grand écran en France pour magnifier l'expérience, ses qualités et son originalité permettent d'imposer la vision puissante de David Lowery et tous un Green Knight à fond.